trace notre route. Écoute que coûte, France Blaise, qu'elle file tout droit, fasse des lacets. Notre route, France Blaise, on trace la route. En cherchant toujours à se dépasser, pas l'ombre d'un doute. On agitera pour nous le drapeau à damier. Toujours rouler, on n'a pas le choix. En liberté, on est trop ça. On trace la route. Tu te débrouilles très bien, Gabi. Une chute de rocher, fais attention. Watts, tu as une roue qui se détache. Oh non, ma roue. Est-ce que ça va aller? Je devrais m'en sortir. Enfin, une fois que j'aurai récupéré ma roue. Attends, Watts. Tu ne peux pas rouler dans cet état. C'est vrai. Ça va être difficile avec une roue en moins. Alors, comment je vais faire? Je vais te donner un coup de main. Je vais retrouver ta roue avec l'aide de Blaze et AJ. Tu as ma parole. Vraiment? Tu serais prête à m'aider? Tu peux compter sur moi. Et quand on aura mis la main dessus, je vais te réparer. Tu seras comme neuve. Merci, Gabi. Allons-y, les amis. Retrouvons vite cette roue. C'est parti. On y va. Bonne chance, les copains. Dans ce cas, je vous suggère de tendre l'oreille. Regardez. La voilà. Elle roule vers la rivière. Oh non. Elle est emportée par le courant. Tu sais comment on peut la suivre? Eh, regardez! Un radeau! Il va nous permettre de descendre la rivière! Vous devriez vous cramponner! Ouais! Vous avez vu? La roue emprunte le passage entre les rochers! Non, d'une durite! J'ai l'impression que c'est trop étroit pour nous! Il faut prendre des mesures pour voir si on peut passer! Activation de la visière. Les rochers sont séparés par une distance de 5 mètres. On connaîtra la largeur de notre radeau en le mesurant. Compte avec nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Notre radeau fait 8 mètres de large. Le passage en fait 5. Est-ce qu'on peut passer? Non, le radeau est trop large. On doit réduire la largeur du radeau. Comment faire? Je crois que j'ai la réponse. Tous les éléments du radeau sont fixés avec des attaches. Donc, en retirant certaines attaches bien choisies, on diminue la largeur. Ouais! Bonne idée, Gabi! Notre radeau fait 6 mètres de large et le passage en fait 5. Est-ce qu'on peut passer? Toujours pas! On doit encore diminuer la largeur du radeau. Vite! On arrive au rocher! Maintenant, le radeau fait 4 mètres de large et le passage en fait 5. Est-ce qu'on peut passer? Oui! Il fait la bonne taille! Vous êtes prêts? Ouais! On a réussi! On a presque rattrapé la roue de Watts! On la suit! Cette fois, on ne la laisse pas nous filer entre les doigts! Une petite minute, si je me trompe pas... Ce sont mes amis! Vous avez réussi! Vous avez retrouvé ma roue! Je te l'avais promis! Maintenant, je vais la remettre à sa place d'origine! Oui. Tu me passes des attaches? Pouvoir rouler à nouveau. Il y a quand même une dernière chose dont j'aurais besoin. Ah oui? Oui. Ma pilote en route, Gabi. Avec plaisir. Charge électrique. Charge.
On dirait bien que Chassis et Sally en allant chercher la balle. Ça ne fait rien. Elle adore prendre des bains. N'est-ce pas, Chassis? Tu avais raison, Gabi. Elle adore prendre son bain. Oh, la bouteille de bain moussant s'est renversée. Du coup, la baignoire se remplit de bulles de savon géante. Chassis, où es-tu passé? Dans un écrou. Regardez, elle s'envole à l'intérieur d'une de ces bulles de savon. Chassis, ma pauvre petite chienne, je dois aller la sauver. Tiens bon, Chassis. On arrive. J'aimerais bien savoir où est allée cette bulle avec mon chien. Ne t'en fais pas, Gabi. On va t'aider à retrouver Chassis. Alors, il est temps d'activer ma visière. Est-ce que tu vois Chassis par ici, à côté des fleurs? Non. Cherchons-la ailleurs. Est-ce que tu vois Chassis près de cette grosse cascade? Oui, la voilà. La bulle de Chassis vient d'éclater. Elle se retrouve coincée au beau milieu de la cascade. Vite, Blaze, il faut qu'on arrive à cette cascade pour sauver ma petite chienne. Chassis, ne t'inquiète pas, Chassis. On vient pour te sauver, je te le promets. Je vois une solution pour aider Chassis. Regardez. On pourrait utiliser un de ces tendeurs pour sauter du pont et puis pour nous ramener dessus. Oui, regardez ça. Les tendeurs ont beaucoup d'élasticité. Alors on peut énormément les étirer. Et ils reviennent tout de suite à leur place. Pour atteindre Chassis, il nous faut un tendeur qui peut s'étirer vraiment énormément. Il doit atteindre 9 mètres. Essayons avec le rouge. Est-ce que le tendeur rouge s'étire jusqu'au 9? Non, il ne s'étire que jusqu'au chiffre 7. Il n'est donc pas assez grand. Chassis! Oh, Chassis ne peut pas rester sur ce rocher très longtemps. Il commence à s'effondrer. Tiens bon, Chassis! Allez, voyons voir si le tendeur vert peut nous permettre d'atteindre Chassis. Est-ce que le tendeur vert s'étire jusqu'au chiffre 9? Oui! On vient te sauver, Chassis! Élasticité! Je t'aime, Chassis. Tu es la meilleure petite chienne au monde. Hé, hey, Gabi, comme tu as récupéré Chassis, est-ce que ça te dit qu'on aille tous jouer? Je crois que Chassis aime bien cette proposition. Oui. Allez, viens, Chassis. On va jouer. On se fait, toujours prêt à s'élancer. On est unis. Où qu'on aille, on peut compter sur ses amis. On nous arrêter, sauf peut-être quelques crocodiles. Des crocodiles? Oh, dépêchons-nous vite! Non, d'un écrou, c'est la première fois que je vois des crocodiles comme eux. C'est vrai? Ils sont luisants et tout dorés. C'est normal, ces crocodiles ne sont pas comme les autres. Ce sont des crocodores. Oh, attention!
moyen pour se débarrasser d'un crocodile. Lui donner un peu d'or. Seulement, où est-ce qu'on va en trouver en aussi peu de temps dans un endroit pareil? Je sais où. On va trouver de l'or ici, au fond, dans la rivière. Exact. Il nous faut juste une drague à godet. Une drague à godet est une machine qui racle le fond de l'eau et remonte la terre à la surface pour voir s'il y a de l'or dedans. Oh, ça y est! Je suis une drague à godet, Monster Machine! Ouah! Il ne faut pas traîner, il y a un crocodile qui arrive à toute vitesse. Vite, commençons à chercher de l'or à lui donner. Mise en route de la drague! Observe attentivement. Si tu vois une pépite d'or, dis or. Or! On en a trouvé! Oh, et crocodile, on a quelque chose pour toi! Oui! Il s'éloigne! Bonne nouvelle, les amis! On va bientôt arriver sur l'autre rive! Oula! Avant d'aborder l'autre rive, il nous reste encore à chercher de l'or pour le dernier crocodile. Si tu vois une pépite d'or, dis or. Or! Un de ces jours, les crocodiles. Là-bas, regardez! Ces puits de pétrole ont des rejets qui forment des plaques glissantes sur la voie! Nom d'un fer à cheval! Ça ne va pas être de la tarte d'arrêter un train qui glisse sur des grosses plaques de pétrole! Exact! Les choses lourdes en mouvement sont difficiles à arrêter. C'est parce qu'elles ont une force d'inertie importante. On peut y arriver, Starla! Il suffit qu'on s'attache au train et qu'on tire de toutes nos forces! Si tu le dis, je te fais confiance! Hip, hip, yow! Maintenant, on tire fort sur la corde! C'est parti! Pour arrêter le train et sauver le gâteau, il faut tirer plus fort! Aide-nous à atteindre la puissance 7! Compte jusqu'à 7 avec nous! 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7! Le train ralentit, mais il ne s'arrête pas. Oh oh, ça devient inquiétant, mon gâteau d'anniversaire arrive au bout de la voie. Il faut qu'on monte à la puissance maximale. Ça veut dire aller jusqu'à 20. Compte avec nous, à partir de 15. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Starla, bien joué! Merci Blaze, c'est gentil, mais je n'y serais jamais arrivée sans vous deux, vous savez. Oh, c'est bien normal qu'on t'aide. Bon, et maintenant, rapportons le gâteau là où il devrait être. À ta fête d'anniversaire! Génial! Regardez les amis! C'est Blaze et Starla! Et ils ont récupéré le gâteau! Tout le monde a faim parce que c'est l'heure du gâteau.